Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je vous en avais fait qu'une. On va se retrouver pour une vidéo cuisine. Voilà, hier j'avais fait des cupcakes. Et voilà, Fifi, bon là, il ne va pas falloir qu'elle vienne, hein, mais elle va venir me dire bonjour. Bonjour, voilà. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Donc, je vais vous montrer ma recette de cupcakes. Hier j'en avais fait une douzaine et là j'en refais une douzaine aujourd'hui pour mon mari qui va les porter à son travail demain. Voilà, bon, j'ai toujours une tête de de clown, hein, Fifi. Alors Fifi hier a fait des bêtises, oui, elle m'a fait tomber une plante et puis elle s'est blessée à sa papatte, mais bon là ça va mieux, elle a cassé le pot de la plante, hein. T'as fait des bêtises hier? Oui, ça fait des bêtises. Oh oui. Voilà, donc là, je vais la remettre par terre parce que là, quand on fait à manger, il n'y a pas de fifille. Oui, donc je vais vous montrer ma recette de cupcake qui est très facile. Donc, je vous disais, j'en ai fait une douzaine hier. Je vais vous montrer donc ce qu'on a besoin. Je vous mettrai en début de vidéo la liste des ingrédients dont vous aurez besoin si vous voulez la refaire. D'abord, vous avez besoin de 150 g de farine. Donc moi, là, j'ai déjà tout pesé pour que ça aille plus simplement. Et dans la farine, j'ai mis un sachet de levure. La petite, vous savez, le sachet de levure rose. Donc, il y a un sachet de levure dedans et il y a 150 g de levure. Ensuite, il y a 125 g de sucre en poudre. Voilà. Et dedans, j'ai rajouté 2 sachets de sucre vanillé. Voilà, on voit peut-être, voyez la différence de couleur. Donc, je vais le mélanger après. Ensuite, il y a 80 ml de lait. Voilà, lait demi-écrémé ou entier, hein, comme vous voulez, ce que vous avez sous la main. Il y a 125 g de beurre. Voilà. Donc là, moi, toutes mes quantités sont pile poil. Hein. Alors, de toute façon, en pâtisserie, il faut faire, faut essayer de que ça tombe juste. Et il y a 4 œufs. Voilà. Donc, c'est tout ce que vous aurez besoin pour faire la pâte à cupcake. Ensuite, pour décorer mes cupcakes, alors moi, j'ai déjà dans le frigo une... parce que j'en avais utilisé hier, donc je vais vous montrer ce qui me reste. Voilà. C'est une pâte sucrée pour décorer. Donc, je vous mets la photo juste après de docteur. Je ne sais plus. Non, mais là, vous allez voir la photo. Regardez. Ça y est, vous avez vu la photo, comme ça, ça va mieux. Alors, il y avait un problème. Pas moyen de sortir, parce qu'ils vendent avec les petites douilles. Et pas moyen de sortir la pâte de la poche, de leur poche à eux. Et donc, j'ai carrément ouvert leur poche et j'ai mis dans une poche à moi. Ça allait beaucoup mieux. Donc là, d'ailleurs, je vais la sortir parce que moi, donc, pour tout à l'heure, ce sera compliqué à m'en servir. Ensuite, j'ai pris de la pâte à sucre, voilà, pour décorer. Donc, j'ai pris une blanche et une rose. J'ai pris des petites perles sucrées comme ça, pour décorer aussi. Et là, j'en ai jamais acheté. Donc, je l'ai prise, malgré que moi, il me reste du glaçage au chocolat d'hier. Mais bon, je vais voir la différence. Moi, j'ai fait mon glaçage hier au chocolat. Donc, je vais utiliser, et si j'en ai pas assez, j'utiliserai celui-là. Glaçage noir, donc c'est du prêt-à-fondre. On le fait au bain-marie ou au micro-ondes. Non, Fifi, là, je fais à manger, tu montes pas. Donc, si je n'utilise pas aujourd'hui, on l'utilisera pour une autre recette et on en reparlera une autre fois pour voir ce que j'en pense.
Donc voilà, après sur les cupcakes, vous pouvez faire une crème au beurre, vous pouvez faire. Mais là, comme les cupcakes vont partir en voiture, faire une crème au beurre, ça va pas le faire pour la déco. Donc voilà. Donc là, je vais d'abord casser mes œufs dans mon carpool. Désolée pour le bruit. Donc, je casse les œufs en entier, hein. Hop là. Si je fais tomber la coquille dedans, ça va pas le faire. Et je vais prendre un chiffon parce que je m'en mets plein les mains. Voilà. Et on va changer la caméra de place et je vais faire du bruit parce que on va battre les œufs. On se retrouve tout de suite. Donc me revoilà. Donc là, il faudra battre les œufs donc au fouet. Bon, si vous n'avez pas de fouet électrique à la main. Hein. Donc là, désolé, ça va faire du bruit, mais je vais vous baisser le bruit sur la vidéo. Un fouet qui se bat. Alors. Voilà, j'ai fini me bagarrer. Donc là, je me disais, on va battre jusqu'à blanchiment des œufs. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc blanchiment, c'est un peu ça, hein. Ça fait une petite mousse. Voyez? Donc là, pendant ce temps-là, on va faire fondre le beurre. J'essaye de me mettre pour que vous me voyez. Pas facile, hein? Cuisine de faire une vidéo. Donc moi je fais fondre le beurre au micro-ondes. Hein. Je ne m'embête pas. C'est ce qu'il y a de plus facile. Donc par contre, on n'oublie pas de mettre une cloche hein, parce que le beurre, ben, ça éclabousse. Alors, sinon après votre micro-ondes. Alors je mets d'abord 30 secondes, je vérifie. Et après, je remets souvent 30 secondes pour. Donc après je prépare les œufs. D'autres ingrédients, donc mon lait et ma farine, pardon. Je commence à préparer mon four également. Donc moi il est plein d'ustensiles. Je vérifie mon beurre. Oui, il a encore besoin de 30 secondes. Et je vais mettre mes cupcakes, enfin mes moules à cupcakes. Moi j'utilise des moules en silicone. Donc j'ai deux couleurs parce que je vais faire des natures et des chocolats. Comme ça je reconnais. Enfin, de toute façon on les reconnaît hein, facilement. Hein. Mais bon. Et moi je vais graisser quand même un peu mes moules. Hop là. On essaye de ne pas se brûler avec le bol de beurre. Malgré que c'est un micro-ondes. Donc là, on verse tout le beurre dans les œufs et on mélange tout de suite pour ne pas faire cuire les œufs. Désolée, je vous ai perdu. Je vais vous remettre là.
Désolée, je vous avais perdu. Voilà, une fois que vous avez mélangé le beurre avec les œufs, hein, vous mettez le lait. Désolée, hein, vous voyez pas bien, mais bon. Hop, on remélange un peu. Voilà, désolée pour le bruit. Hein. Et là, donc vous allez verser toute la farine en une seule fois. Je vais lever mon saladier, hein, ça ira mieux. Voilà. Et on mélange. Jusqu'à obtenir une pâte lisse. Voilà. J'arrête le calvaire. Donc maintenant, je peux vous redescendre parce que vous verrez mieux. Oh là là, le calvaire. Voilà. Alors, je vais enlever mes fouets. Parce que j'en ai plus besoin maintenant. Donc, j'ai obtenu une pâte lisse, hein, qui fait un peu de bulle, mais ça, c'est rien. C'est normal, hein, c'est l'air qui est rentré dans les... Donc là, j'enlève toute la vaisselle dont je n'ai plus besoin. Un petit coup de lavette. Voilà. Et je vous montre ma pâte. Comment elle est. Voilà. Donc maintenant, là, vous allez mieux voir. Donc là maintenant, on va remplir. Alors avant de remplir, ce que je vais faire, je vais allumer mon four à 180 degrés. Donc moi j'enlève toujours ça parce que j'ai toujours peur que le dessus gondole. De toute façon, c'est ce qui est mieux de faire. Je vérifie que j'ai ma plaque de four. Le principe, si j'allume mon gaz, c'est mieux, hein. Et je préchauffe mon four à 180 degrés. Donc au gaz, on attend toujours un petit peu. Mais moi, je préfère le gaz. Voilà. Donc, de remplir mes petits moules, ce qu'on va faire, je vous rebalade. Venez avec moi. Sur ma plaque en verre, ce qu'on va faire, on va couper du chocolat. Donc, moi je prends du chocolat comme ça. Hein. Là, c'est le Cora, hein. Du noir. Bon là j'ai pris juste ça, c'est carré. Il y a quoi 8 carrés. Normalement je pense que j'en aurai assez. Et je vais le couper en petits morceaux. Le râper à la main si vous voulez. Allez, on arrive à la fin de la petite plaque. Là, on fait attention à ses doigts. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Un joli râpé de chocolat. On en a plein les mains, mais ça, c'est rien. Alors, maintenant, je vous redéménage. Que je donne pas le mal de mer. Hein. Hein?
Voilà. Désolée pour mes grosses mains devant vous. Alors, je voulais ma plaque. Alors, j'ai pris ma plaque. Moi, j'ai... Ah ben ouais, voilà. Donc voilà, mes moules. Et moi, je me sers de ça. Malgré que c'est des moules en silicone, de toute façon, je me sers de ça pour tous mes... toutes mes pâtisseries, mes quiches, mes... Voilà. C'est ça. Donc moi, je l'ai acheté avant à... chez Audio. Bon là, je... Bon, je peux en trouver ailleurs, hein, mais... Moi, j'ai pas d'audio maintenant ici. Donc, c'est un agent de graissage et de démoulage. C'est ce qu'on sert en professionnel, en pâtisserie professionnelle. Bon, j'ai quelques moules qui ont un peu déformé, mais bon, ça, c'est pas un problème. Bon, j'en mets. Hop. C'est pas nocif, hein. C'est de la graisse, hein. C'est de l'huile de colza, tout simplement. Voilà. Et là, je vais prendre ma petite cuillère. Donc moi, je me sers de celle-là. Mais bon, vous servez celle que vous voulez. Hein. Là, c'est vous qui voyez. Je remélange un peu ma pâte. Mais je me sers de celle-là parce que ça me sert de doseur. Au moins, je vois à peu près la pâte que je mets. Et souvent, ça me fait 3 cuillères par moule. Donc ça correspond à une cuillère à soupe. Vous pouvez aussi le faire avec une douille, hein, une poche à douille. Donc pour l'instant, je mets 3 cuillères à soupe par moule. D'abord, j'utilise dans les rouges pour faire mes natures. Donc si vous n'avez pas de moule en silicone, vous pouvez mettre dans les moules normaux, hein, comment, les moules en tôle, tout ça. Et dans ce cas-là, vous utilisez des caissettes en papier. Moi, je vais les mettre après, les caissettes en papier, quand ils seront cuits. Là, hier, je n'avais pas pu en mettre parce que j'en avais plus. Donc, j'en ai repris ce matin. Ouais, je remplis mes gâteaux. Donc, j'en aurai 6 de chaque, là. Voilà, et le dernier rouge. Donc, je pense que je vais remettre un petit peu de pâte dans mes rouges avant de mettre le chocolat. Pour qu'ils soient tous bien au même niveau. Donc, il faut les remplir aux 3/4. Hein. On ne les remplit pas jusqu'en haut. Parce qu'après, les gâteaux vont monter, bien sûr. Voilà. Le dernier. Et voilà. Donc là, maintenant... Je peux mettre mon chocolat dans le reste de ma pâte. Et je mélange. On fait une pâte avec des grains de chocolat. Vous voyez ? Je vais tourner mon plateau.
Et je remplis le reste de mes moules à cupcake. Toujours de la même façon. Donc là maintenant que mes moules à cupcake sont remplis, donc je vais vous montrer. Alors que je vois, voilà. Vous voyez? Donc les moules à cupcake sont remplis. Là maintenant, je vais remettre dans le four. Ah, pardon, je vous perdais encore. Voilà, j'ai les mains pleines de beurre, de tout. Donc là maintenant, ça va partir dans le four. La base, c'est 18-20 minutes. Bon, moi j'ai un four qui chauffe très bien. Donc je vais mettre 15 minutes. Et je vais surveiller à partir de 15 minutes si j'ai besoin de 2-3 minutes supplémentaires. Et ça, pour le savoir, avec un petit cure-dent. Au milieu d'un des cupcakes, je vais piquer et je vois s'il reste de la pâte sur le cure-dent ou pas. S'il reste de la pâte sur le cure-dent, eh bien, je remets une minute, deux minutes, voilà, environ. Donc là, on met au four et on se retrouve tout à l'heure, dans un quart d'heure. À tout de suite. Donc voilà, normalement, maintenant, mes cupcakes doivent être cuits. Donc je vais vérifier avec mon cure-dent. Oui, c'est bon. Donc, on va essayer de ne pas se brûler. Hop, 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 hop. C'est chaud. Ah, c'est très chaud. Donc là, maintenant, je vais les sortir. Et voilà, mes cupcakes. Donc là, les natures, hein, les rouges et les chocolats. Ici. Donc là pour l'instant je vais les laisser refroidir 5-10 minutes parce que sinon je vais me brûler les papates. Et après, une fois refroidi, je vais les démouler pour les mettre sur la grille ici. Et ensuite je vais devoir les laisser complètement refroidir pour pouvoir les garnir. Et après on va s'occuper de la garniture, donc qui sera ici. Donc, on se retrouve après pour les garnitures. Hein. Donc là, bon, on va pas attendre. Hein, mais je ne vais pas filmer le refroidissement des cupcakes. Hein. on va se retrouver juste après pour les garnitures. Donc ça va me prendre un petit moment quand même. Donc, je reviendrai après pour faire la vidéo des garnitures de cupcakes. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, mes cupcakes sont froids, j'ai réchauffé mon glaçage au chocolat, donc le voilà, donc celui d'hier me va très bien. Là je vais préparer, je vais mettre le plateau sur la cuisinière, ça va aller froide. J'ai préparé mes caissettes. Donc en chocolat, ben, je me suis trompée, j'en ai fait que 5. J'ai fait 5 et 6. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, quoi. C'est rien. Ben, on va déjà en préparer 5. J'ai mes petits grains colorés. Voilà. Et donc, alors, je vais peut-être remonter la caméra pour que vous voyez mieux. D'habitude. Alors, pour faire mon glaçage au chocolat, donc j'ai réchauffé un peu. Je vais juste tremper le dessus. Et je tourne mon cupcake dedans. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Hop. Je laisse couler.
me lécher les doigts, mais au passage, en fin de compte, vous êtes mis en bas. Vous verrez mieux. Et je vais poser tout de suite avant que ça refroidisse. Voilà. Mes petits décors. Et mettre mon cupcake dans ma caissette. Donc j'essaie de ne pas mettre trop les doigts dans le chocolat. Voilà. Celui-là est fait. Je peux le poser sur mon plateau. Je prends une serviette parce que... Je vais mettre du chocolat partout. Donc. Je me mets dans le chocolat. Voilà, je pose mes petits bonbons. Ma caissette. Et voilà. Du coup, ça vous fait un glaçage très joli, très lisse et brillant. Alors, mon glaçage de chocolat, je l'ai fait avec du chocolat noir, comme tout, je vous ai montré tout à l'heure. Du beurre. Alors, 100 g de chocolat. Alors, je vais vous remettre la recette en dessous parce que je vais... J'ai plus ma recette par cœur. Il y a 100 g de chocolat, j'ai 2 cuillères à soupe de lait. Et j'ai du sucre glace. Voilà. J'ai pas mis de chocolat partout. Mais je vais vous remettre la recette. Voilà. Voilà pour les chocolats. Trop bon. On va ramasser les petits sucres. On essaiera de les récupérer. Voilà. Alors maintenant, on va laver ses mains parce que pour la pâte à sucre, il vaut mieux avoir ses mains propres, hein, parce que si je mets du chocolat sur mes mains, voilà. Alors, je vais en faire. Alors, comme j'ai encore le. Comme je disais tout à l'heure, j'ai encore. Le sucre rose, donc là je vais en faire 3.
Donc là, je peux déjà les mettre dans les caissettes. Je vais sortir la première. Voilà. Allez. Des petites fleurs, le sucre. Voilà. Oui, j'ai réussi au bout. Là, bon, il reste dans le fond, mais je ne peux rien faire. Donc voilà mes roses. Vous voyez, je n'aurais pas pu en faire plus que 3. Donc ça tombe bien. Donc maintenant, la pâte d'amande. Donc voilà, j'ai ma pâte à sucre, j'ai mis un peu de sucre glace sur ma planche. Je mets du sucre glace, c'est pour pas que ça colle. Donc là, sur votre rouleau, sur mon rouleau, j'ai des ronds qui me permettent d'avoir la même épaisseur sur mon sucre glace. Alors, je vais couper des ronds avec un verre parce que je ne retrouve plus mon cerclage. Bon, c'est rien, c'est pas un problème. Donc ça veut pas, ça veut pas. J'avais mis du sucre glace pour pas que ça colle. Dans une caissette pour l'instant.
Bon, elle veut pas, ma pâte. Oh. Voilà. Ça va mieux. Voilà. Je pense que je vais refaire celui-là, si j'arrive à l'enlever. Non, bon, ça y est. Donc la blanche, j'en aurais plus besoin. Je vais prendre un bout de rose. Je suis un peu dégoûtée, celle-là elle est un peu trop grosse. N'en faut pas beaucoup. Voilà. Mon petit moule, alors il est là, ouais. Celui-là. Donc ça va, hein, la pâte à sucre, elle se masque, masque, oui, bien. Voilà, on va en faire 3. Donc là, je vais faire les petites étoiles. Il faut que je mette un peu d'eau. Ça colle. La troisième qui ne me plaît pas, c'est ça qui m'embête, mais j'arrive pas à l'enlever.
Voilà. Donc, mes trois. Bon, celle-là n'est pas belle. Hein. Je suis désolée. Non, celle-là. Voilà, ça fait 7. Voilà. Bon, j'ai fait très simple hein, parce que là, comme ça part en voiture demain. Alors, je vais vous montrer après. Voilà, et la troisième qui ne me plaît pas mais que j'ai oublié de mettre. Voilà. Hop, j'arrête une seconde la caméra pour changer le point de vue et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, mes cupcakes terminés. Donc ceux au chocolat. Vous voyez, ils brillent bien. Ceux avec les roses en sucre. Et les trois à la pâte à sucre. Bon, ceux-là, j'en suis moins contente. Surtout de celui-là. Bon, mais bon. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ma recette vous aura plu. Et que vous pourrez la refaire aussi. Maintenant, je vais ranger toute la cuisine. Parce que là, vous voyez. Loulou, enfin, j'en ai déjà enlevé. Hein. C'est le boxon. J'espère que ça vous aura plu. Que vous pourrez refaire aussi les cupcakes. Et que si vous les refaites, dites-moi ce que vous avez pensé de la recette. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, pour du scrap, pour autre chose, pour un vlog. On verra. Allez, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bisous.